des amis, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Skull PVP les amis. Et bien oui, aujourd'hui j'ai décidé de commencer une nouvelle série de PVP Faction sur Skull PVP. Mais je vais la faire avec vous cette série les amis en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer, je vous explique. En gros, aujourd'hui au programme on va ouvrir 25 skill bags. Ensuite je vais vous faire tirer d'autres skill bags. Et je vais aussi vous expliquer ben, le truc, comment, pourquoi je viens juste sur skill PVP. Et puis aussi ouais, j'ai besoin de votre aide dans le fond. Vous allez voir tout ça au long de la vidéo. Donc on va commencer directement par vous expliquer pourquoi je viens sur skill PVP. C'est très simple parce que j'ai posté le trailer dernièrement. Et comme vous avez vu, ben c'est un trailer quand même que je trouvais assez vraiment swag. Et puis, je sais pas, tout le monde me parle de ce serveur-là ces derniers temps, surtout un gars qui s'appelle Shoops. Il dit tout le temps genre, viens sur Skill PVP et tout. J'ai fait, ouais, bon, pourquoi pas, on va aller voir. Et puis, ça a donné que j'aime bien pas mal de bien le serveur. Et puis, je suis partenaire plus, ça c'est cool. Et puis, c'est ça, je me suis dit, ouais, why not, ça peut être chill, ça peut être chill. Et puis, c'est ça, les ennemis m'ont donné des skill bags en gros. Et puis, je dois vous en faire tirer quelques-uns. Et puis, je peux ouvrir des skill bags. Donc, on va en ouvrir 25 aujourd'hui. Et je vais vous en faire tirer 5 en gros. Je crois, ouais, 5. Je vais en donner genre 5, je crois, ou sinon je vais en donner 23, je sais pas ce que je vais faire. Je pourrais en donner peut-être à des commentaires random, genre, vous mettez vos pseudos dans vos commentaires, les amis, comme ça, ben moi, quand je vous vois connecté, je vous dis genre, yo, tu veux un skill bag, you know, comme ça. Je sais pas si je vais jouer beaucoup, parce que, bon, je suis vachement occupé ces derniers temps, mais je vais essayer de faire au moins un épisode par semaine, puis normalement, principalement le dimanche, so, voilà. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas le... Ça n'a pas vraiment de jour à part, mais bon, voilà. Pourquoi pas, voyez. Là, c'est les vacances, donc voilà. Je parle de quand à la rentrée, à partir, ouais, tous les dimanches, normalement, je vais essayer. Je vous promets rien, je vais essayer le plus possible pour que je sois fidèle au poste, comme on dit. Donc voilà. Le launcher, bon, je vais pas vraiment vous le présenter. Il y a plein de youtubeurs, les amis, qui ont fait des vidéos dessus. C'est un launcher assez connu. Il tourne environ 500 joueurs. So, j'ai pas vraiment besoin de vous faire plus de présentation que ça. So, commençons directement avec les skill bags. Les skill bags, c'est quoi? C'est des bags que vous achetez sur la boutique ou au shop. Je crois que vous pouvez aussi les acheter in-game. Mais en gros, en ce moment, il y a des rabais dessus sur la boutique. Donc, c'est vraiment le temps de les procurer avec les rabais de Noël. Je crois que vous en avez deux. Le double pour le whoop. Vous avez le même montant pour le prix divisé par deux, genre. Je sais pas comment dire ça, Audrey. En gros, il y a un rabais de 50%, right? Ou quelque chose comme ça. Ouais. Enfin, il y a vraiment des rabais dessus. Je sais pas exactement le montant. Mais ça vaut vraiment la peine d'en prendre en ce moment. So, voilà. On va ouvrir des skill bags. En gros, on fait juste clic droit dessus. Puis ça va nous mettre des items dans notre inventaire. Donc, on a des random ore. On a une pièce à spawner. Ça doit être des trucs bien. Je connais rien du serveur, les amis. Hein. Je suis vraiment un noob. So, vous me direz dans les commentaires qu'est-ce qui est bon. Obsidienne, bon, ça doit être bon. Des blaze road, ça c'est quand même buff. Double blaze road. Buff, double blaze road buff, des random ore bon, des pierres de météorite, ça c'est bon, du sélénalium, ça doit être bon ça aussi, ensuite on a eu pump cheat, de l'obsidiane, du météore, flèche à effet, des random ore, du urinite, des random or, un œuf de creeper, des flèches, je sais pas ce que j'ai eu, de l'obsidiane, des what, j'ai eu genre fucking des random or d'un coup, genre, what the fuck, ok, j'ai eu quoi encore, j'ai eu ce minerai là, un œuf de creeper aussi, d'autres random or, et puis le dernier, 28 blocs d'or, j'en ai ouvert combien, 20, 25, on va en ouvrir 30, tiens, you on the chest, 30, on va en ouvrir 30. So, on va en prendre 5. Voilà, il va m'en rester 18, au calme. So, voilà. Un autre, des flèches à effet. D'autres flèches à effet. What, t'es sérieux? Des fucking fleurs. Et puis de l'or. Je pense pas que les fleurs, ça fait partie du truc. Je pense qu'il était à terre, quelqu'un les a dû les ramasser. 64 or encore. 2 stacks d'or. What? Et puis, j'ai eu quoi d'autre? Sûrement des random or. Damn! Et là, les random or, on m'a dit que si j'utilisais la fortune, c'était super OP. Mais j'ai pas de fortune encore, si on va les mettre là pour l'instant. Comme je l'ai dit, je vais vous faire tirer... je vais me garder 10 bagues, comme ça, à chaque épisode, je pourrais en ouvrir un. Moi, je vais vous faire tirer 8 bagues. Donc, 8 bagues, 8 personnes différentes dans le chat vont pouvoir gagner des bagues. Dans le chat. Dans le commentaire, en gros. Et puis c'est ça. Je vais pas faire un nom l'épisode parce que je connais rien du serveur. J'aimerais vraiment que je commence à le découvrir tout seul. Je vais pas avoir l'air d'un con non plus devant vous. J'ai déjà un home quand même assez loin, je crois.
Celui-là, je vais pas faire de la merde, mais ouais. Donc voilà. En gros, j'ai un home qui est sous terre, genre dans une grotte. Ouais, voilà, c'est ça. So là, ici, j'ai genre un petit peu de stuff. J'ai mis tout ce que j'ai eu dans mon kit de départ. Avec mon kit YouTuber aussi. Comme ça, voilà. J'ai eu ça, j'ai eu un ticket de téléportation, une axe à farm, tout ça. So, je vais essayer de découvrir les serveurs. Et je vais recruter. Donc, comme j'ai dit dans le fond en commentaire, mettez un commentaire, votre pseudo. Et puis, si vous avez une bonne faction ou vous voulez être recruté, je sais pas si je vais faire une faction abonnée. Est-ce que vous préférez une faction abonnée ou vous préférez que je rejoigne une faction? Donc, si c'est le cas, ben, dites-le moi. Si vous avez une faction, dites-le moi aussi. Et puis, si ça, on va commencer une nouvelle aventure sur SkillPP. Puis, on va s'amuser tous ensemble, les amis. Parce que dans la vie, c'est important de s'amuser. Je vais crafter une pomme cheat parce que je suis un Thug Life. Boum. Boum. Pomme cheat. Allez, Thug Life, Thug Life, Thug Life, Thug Life. Je vais crafter des blocs. Et puis voilà. So, moi, pour l'instant, je suis vraiment tout seul. J'ai aucun ami sur le serveur. Je connais presque personne sur le serveur. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent jouer sur le serveur, par exemple. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, ouais, Kunz, viens sur SkillPP, blablabla. So, maintenant, me voici, les amis. Et puis, on va retourner au spawn parce que, bon, j'ai pas fait. Faudrait que je mette les œufs de Creeper dans le coffre, bien entendu. Parce que sinon, j'ai l'air un peu con si je les perds à ma base. So, on va mettre les œufs de Creeper. On va aussi mettre les minerais vu que je sais pas c'est quoi le meilleur minerai et tout. Comme je dis, je suis vraiment nouveau sur le serveur, les amis. Insultez-moi pas. Je sais pas du tout c'est qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est rare, qu'est-ce qui est pas rare. Mais j'ai deux fleurs bleues. So, allez, YOLO. Là, on a sûrement des warps. On peut sûrement aller voir au warp mine. Warp shop, tiens. Warp shop. Bon, ça va nous dire exactement ou clairement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. J'aime bien le launcher, il est bien fait. C'est vachement stylé, no joke. Clique ici pour acheter fil. C'est quoi un filtre? Interface d'échange. What the fuck, c'est quoi ça? What? C'est ben... C'est un shop, genre? Non. Non. C'est ben sexy comme shop. J'espère que c'est comme ça toutes les shops. No way, c'est ben sexy. Quartier du Sud, c'est quoi qu'ils vendent là-dedans? On va aller voir mes copains. Non. Non, c'est trop soin comme shop! Damn, Stash Money, ça me donne combien d'argent? 400, j'ai 400, puis un œuf de creeper coûte 1500. C'est ouais, ça doit être quand même damn difficile à se faire de l'argent. Fiole 1$, tu peux vendre. Damn, il est vraiment beau le shop, no fake. Il devrait avoir un bouton annulé, là, c'est ça. Chris, c'est ben swag, man. Holy shit! Je suis fucking happy, j'avais jamais vu, je suis la première version de SkillPP qui a joué les amis. Je sais pas si c'était là l'ancienne version, vous me direz. Donc ouais, le Warp Shop, il y a aussi un Warp Mine. Ah, tu peux pas marquer un compte dans le chat, ça marque que t'es sur l'insulte. RIP. Ici c'est quoi? Vers la mine VIP. So, ça ici ça doit être des mines genre... gratuites j'imagine? Je sais pas trop. Les constructions sont vraiment belles par exemple. Puis là, si on va tout droit, c'est genre la mine VIP. On va suivre Cario avec la fibre pour aller voir. Mais en gros, ça a l'air de ça. Puis là, on va le suivre parce qu'il a l'air à connaître ça. Lui, moi, je connais pas ça. Ok, ben, pourquoi tu t'arrêtes là comme ça, genre? Là, on peut miner ça? Non, c'est où la mine? On peut pas casser ça. Ah oui, ça on doit pouvoir casser tout ça ici là. Non? Ah peut-être là-bas ici. Ouais, je pense que c'est ici. Attends, peut-être qu'eux ils vont récupérer les minerais qu'il y a là. Il y a plein de random or ici. On peut pas les récupérer ça? Genre ça là. Non, c'est en bas. Putain, je suis un attardé mental, wesh. Aidez-moi, s'il vous plaît. Non, on peut les miner, je pense. Checker lui, là, il mine. Je l'ai vu miner. Je vais aller voir. On me lol, puis je vais revenir ici. Je vais faire un slashback. Ça marche, les slashbacks, là-dessus? Ok, ça marche. On va prendre ça. On va pouvoir essayer. On va voir qu'est-ce que c'est. Je connais pas ça, les amis. Riez pas de moi, s'il vous plaît. Soyez gentils, là, là. On peut tout miner, Chris. On peut prendre les random 1 en haut, ça veut dire, je crois. Là on va revenir en haut puis on pourra pas les prendre, je vais pleurer comme une merde.
Ouais, c'est ce que je pensais. On peut pas prendre ceux qui sont au rip. Mais à partir d'ici du bois, on peut prendre. Ok. Ok, j'ai compris maintenant. C'est donc ben bien fait leur serveur. Je suis jaloux, tabarnouche. T'as plein d'affaires stylées, man. Wow. Je découvre comme un enfant qui découvre un nouveau jouet. C'est grand en plus, regardez-moi ça, la mine, c'est fucking grand. Damn. Je vais juste aller voir en haut, peut-être qu'ils allaient mettre quelque part. Rebonjour, mademoiselle. Yo. Hello. Oh. Ok, en gros ça ici c'est spécial nether, ici c'est ouais spécial nether j'imagine. Ok, ils ont fait des compartiments, puis ici ça doit être juste la petite hyène puis tout. Puis quand on m'a dit que quand vous avez une pièce fortune que vous miniez, peu importe ce que vous minez, c'était du ça pouvait devenir en double. Ok. Bon ben ça c'est cool, c'est cool, c'est cool. Il y a des petits problèmes de lag en ce moment, j'ai entendu parler. Ça devrait être corrigé. Bientôt. What the fuck? Ok, ouais, Ender Chest ici. So, c'est ça qu'on va se laisser là-dessus, les amis. Et puis, comme je l'ai dit, moi, je vais essayer de me trouver une place, un emplacement, peut-être un petit spawner pour farmer, essayer de faire quelques petits P4, peut-être aller PVP, peut-être comme ça. Dites-moi ce que vous aimeriez que je fasse sur le serveur, dans le fond. Qu'est-ce que vous aimeriez me voir faire? Je connais pas grand-chose du serveur, mais je pense qu'on va pouvoir le découvrir tous ensemble, tous en même temps. Et puis, je vais sûrement recruter certains joueurs du serveur ou ramener dans ma série des joueurs que je joue déjà sur le serveur pour pouvoir apprendre à découvrir le serveur tous ensemble. Donc voilà. So, comme j'ai dit pour les skill bags, faites juste me dire dans les commentaires votre pseudo et marquer un petit texte, n'importe quoi ce que vous voulez. Si vous voulez, si vous avez une faction, racontez-moi vos histoires de vie, tout et tout et tout. Puis moi, je vous dis à la prochaine, les amis, c'est Tycombs, et puis je vous dis, j'espère que vous avez passé une excellente vidéo. Laissez un pouce bleu, je vous aime, c'est Tycombs, bisous.